Bonsoir, chers téléspectateurs. Comme vous pouvez voir, on accueille maintenant avec nous une ME marocain résidant à l'étranger, mais elle est française de naissance, donc il est franco-marocain. C'est Madame Ilham Gouli Faïd. Madame Ilham Gouli Faïd est une formatrice avant tout et est une activiste humanitaire. Donc, on laisse notre invité, mais attendez, avant tout, on doit vérifier si le son passe bien pour qu'on ne perde pas cette rare occasion. Madame Ilham Gouli Faïd. Bonjour Abdelali, ça Madame va? Ilham Gouli Ça Faïd. va les téléspectateurs? Oui, ça va bien, vous pouvez continuer, cher Ilham, en vous présentant au public. D'ailleurs, c'était comme ça, il était prévu avant, mais c'est voilà Ilham qui va nous parler d'elle-même, de son expérience, du tout, on fouille partout. Alors, à vous, Ilham. Et surtout, Oui. Ilham, il a pensé aux personnes à capacité réduite de sa manière, la créatrice et l'humaine, à vous, Ilham. Oui, bonjour Abdelali, merci de Bonjour, m'inviter merci. à votre antenne. Voilà, Merci, bienvenue. je suis Ilham Gouli Farid. Alors, je ne parle pas fort, Oui, mais j'espère qu'on m'entend. on vous entend. Voilà, je suis née à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg, mes parents sont marocains, mon père il est de Stade, exactement, Ben Ahmed, exactement, Ouais, la commune de Béthune. et puis il s'est installé en 81 à Casablanca, à Loulfa, où il a bâti une maison, un immeuble, et il a eu donc... sa vie, on va dire, était sur cette commune-là, donc à Casablanca. C'était surtout un homme qui vivait avec la France, avec Strasbourg. C'était un vendeur de cuir. Il vendait le cuir et moi, je travaillais avec lui le cuir. Il fabrique le cuir et il vend les vestes en cuir. À l'époque, c'était à la mode dans les années 80, 85, 87, jusqu'à 90. Il y avait beaucoup de modes là-dessus. Voilà. Donc moi, le corps... Pardon, seulement pour Clarifier. clarifier l'affaire, est-ce qu'elle est fait la teinture ou Non, tout non. la Non, fabrication du cuir, les coupes? il récupère le cuir. Ah. À l'époque, c'était avec l'Allemagne. Il récupère le cuir. Et il faisait de la restauration. Il va les réparer. S'il manque des boutons, il manque Ah ou le oui. cuir il est abîmé, je vais avec lui le travailler. Donc Ah. après, qu'est-ce qu'il faisait avec? Il vendait les vestes au Chibani dans les Sonacotra. Il y avait des foyers pour jusqu'à aujourd'hui ça existe hein, ces foyers qui accueillent les personnes qui viennent du pays et qui ne sont jamais retournées dans leur pays, qui sont Oui. restées en France. Et tous les étés, comme ça, ils vont voir leurs enfants, leur famille, etc. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et c'est à eux qu'ils vendaient, oh, par exemple, 50 francs une veste ou 100 francs. Et alors, le contact humain, Son à Cotra, il y avait des foyers petit pour... commerce. Jusqu'à aujourd'hui, Ça a ça existe, commencé hein, comme ces ça. foyers Après, il qui y a accueillent eu un magasin et puis après, il est devenu concessionnaire de Mercedes, ainsi de suite. Donc, le contact avec l'humain, il a toujours été... Il est passé de fil en aiguille, comme dans l'ADN avec mon père et ma mère. Ouais, Donc, c'est après, l'héritage. ils ont eu un magasin et on a toujours eu le contact social. Déjà, quand j'étais à Strasbourg et quand ils étaient au Maroc. Bon, après, comme toute l'humanité, les enfants grandissent, ils font leur nid aussi. Oui, Voilà. bien sûr, c'est Donc, après, connu. moi. C'est comme ça que j'ai gardé le lien avec le social. Voilà, je suis également une fan de El Ghazali. C'est un philosophe qui n'était pas toujours d'accord avec tous les philosophes de l'époque.
C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur la civilisation Oui, bien sûr. musulmane Yeah. et voilà. Et puis surtout sur la connaissance du cœur. Donc pour moi, Al-Ghazali, bon, c'est difficile à lire. Voilà, il a développé pas mal de thèses qui touchent notamment la science et la religion, pas que musulmane. C'était universel parce que même à l'époque, au Moyen Âge, Al-Ghazali, on l'appelait Al-Ghazal, il était une référence grecque et latin. Ça, c'est pour mes ressources, mais j'ai pas que Oui, ça. c'est chapeau, c'est rare de trouver une ME qui est native de France ou du pays d'accueil qui s'intéresse à la littérature du pays de la langue maternelle des parents. C'est chapeau. Bah, c'est vraiment que, disons que moi j'aime bien de l'époque Averroès et Avicenne. Ce sont des époques. Alors j'aime aussi la littérature française, bien sûr. Oh, bien Mais sûr. voilà. Mais il faut quand même reconnaître chez les savants de l'époque, ils avaient des ressources incroyables que jusqu'à aujourd'hui, nous les puisons. La seule chose, c'est que nous ne les mettons pas en avant. Je veux Oui, dire en qu'en valeur. Europe, on ne les met pas en valeur. Quand on vient en France, on va voir des musées, des fois, des petites choses insignifiantes vont prendre une ampleur incroyable. Alors que j'ai voyagé par exemple à Sousse, en Tunisie, j'ai trouvé des sites, oh là, qui datent, je ne sais pas, de l'époque romaine. Et j'ai trouvé ça, c'est des trésors. En France aussi, on a ça. Mais sur la lecture, sur les ressources, j'aimerais en connaître encore plus sur les origines. C'est Oui, il y en a. important. Pour moi, c'est savoir, pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Oui. Il y a C'est beaucoup important. de sociologues contemporains, il y a des archéologues aussi, et le bassin de la Méditerranée est riche par ces cultures, par ces gens qui ont passé, qui ont laissé leurs traces. C'est une vraie mine d'informations et de connaissances. Et revenons au côté humain, Alors, et surtout à votre invention qui est vraiment quelque chose qui laisse rare. pas les gens indifférents, mais qui pousse à applaudir, et je vous applaudis. Donc vous pouvez nous parler de votre création au domaine humanitaire. Alors, moi, j'ai ici, comme dans le monde entier, nous sommes dans le confinement. Le confinement m'a poussé à comprendre, pas comprendre, mais à nous interpeller en tous les cas sur les difficultés des minorités. Alors les personnes sourdes et malentendantes, moi j'ai toujours eu, on va dire, j'ai toujours été sensible. D'abord parce qu'à l'époque j'avais des problèmes ORL, au niveau des cordes vocales. Des fois c'est compliqué pour moi de sortir un son. Aujourd'hui ça marche, ça va bien. C'était une maladie chronique et de là, j'ai été reconnue travailleur handicapé déjà par rapport à la voix et par une autre pathologie au niveau de mes yeux. Ça m'a toujours poussée, pas dans un isolement, mais dans une forme de recherche comme ça, de recherche, de comprendre, etc. À Montpellier, j'ai mis en place un masque pour les sourds et les malentendants qui donne ça. Alors le masque classique, il est là. Vous voyez? Ça, c'est le masque classique qu'on utilise, hein, fa Oui. facile, hein. Voilà. Avec, on a une lame ici à l'intérieur. Oui, pour Et voilà. serrer, oui. Voilà. Là, on est seulement un sourd, un Oui. malentendant. Si vous bloquez la bouche, lui, il doit vous suivre Lire, avec les lèvres. oui, lire les signaux de lèvres, oui. Voilà, c'est la lecture labiale. Et moi, Oui. j'ai déposé un brevet auprès de l'Institut national de la protection industrielle où je Oui. mets un masque avec une ouverture et avec un film en plastique. Oui, je mets maintenant la photo, voilà, Dilem avec son masque. J'ai mis la photo. Voilà.
Et donc, ça permet. Voilà. Ouais. Chapeau. Chapeau Alors, d'avoir. ils ont besoin en fait d'identifier par l'observation, comme je viens de le faire exprès, les Oui. mouvements de la bouche d'une Oui. personne dans le son qu'ils prononcent. Ils reconnaissent les voyelles et les consonnes comme ça, en appuyant très fort. C'est un effort, mais Oui. c'est leur façon en tous les cas de communiquer. Et bien entendu, il y a une autre recherche que j'avais faite, c'est la langue des signes. Parce que, bonjour. Je vais travailler, Ouais, la merci. communication. Voilà, ils ont une communication par les signes, c'est particulier. Donc déjà le confinement, c'est pas facile. Alors j'imagine, voilà. Après, faire des masques, même pour toi et moi, ce masque, il peut fonctionner. Alors il a Oui, les normes, il a les mêmes normes que celui-ci, oui. c'est-à-dire celui qui est déposé à la FNOR. Mais celui-là, il va différer, il va juste rajouter cette grille au milieu. Oui. Mais il faut la calculer de façon à ce que quand tu articules, Oui, il ça, faut qu'il. tu n'étouffes pas, parce que tu peux étouffer. Oui. Ça peut être une asphyxie. Donc il faut prendre la prise d'air Oui. au niveau du nez, Oui. laisser passer la respiration. Ça, c'est une première chose. Après, il va être adapté techniquement comme celui-là, puisque ça, c'est un prototype. Oui. Premier, et j'ai fait enregistrement donc à l'INPI FFP2, c'est comme ça, et il y a FFP3 avec, oula, excuse-moi, Oh, pas de problème. avec C'est deux ce produit. aérateurs, voilà, Oui. avec des aérateurs qui vont permettre de laisser ventiler l'air. Donc, ça, c'est une première. Alors, moi, je me suis pas inspirée comme ça. J'ai vu une femme au Texas, mais vraiment, non, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. C'est une étudiante américaine qui avait commencé à le travailler, mais elle a utilisé des éponges, ce qui n'est pas facile, Oui, avec un tissu pas comme les gants, fiable. ouais, comme le gant de toilette ou quelque chose comme ça. Donc moi, je l'ai retravaillé, je suis allée contacter des fabricants ici à Nîmes, Oui. pour pouvoir faire une unité de production. Et aujourd'hui, avec ta radio, avec ta chaîne, j'appelle faire un appel Oui. pour un partenariat avec une usine de production pour développer plus de masques. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de les sortir de la France pour d'autres pays, parce que les personnes sourdes et malentendantes, il faut reconnaître, elles sont à côté de la société, des fois. Oui, Il y a bien des pays. sûr. Bon, après, si tu as de l'argent, tu es riche, la question, elle se pose pas, mais il faut reconnaître que c'est compliqué. Nous, encore en France, il y a des associations comme la GFIP, comme la Maison de l'Handicap, qui viennent aider financièrement, avec des appareils, tout ça, pour les personnes handicapées. Du côté de l'Afrique, je crains fort que c'est plus compliqué pour eux. Donc voilà, j'espère Partout, que. partout. Chère amie, chère Ou créatrice, alors, si on va. partout, les personnes à capacité réduite souffrent. Ouais. Surtout aussi, il y a les autistes. Il ne faut pas oublier les autistes qui souffrent pire en ces moments de confinement. Ils sont sensibles. Il y a d'autres. Ça, c'est des cas. Ils aiment. Si vous pouvez nous dire. Comment vous trouvez tout ce que fait le Maroc pour combattre pour pareil à la transmission de cette maladie? Il a fallu Alors, de beaucoup d'efforts. moi, j'ai suivi les activités de Sa Majesté le Roi et de ses ministres, puisque j'ai même tweeté et même j'ai sur mon compte LinkedIn, vous me trouverez Ilham Bouli si vous souhaitez, Oui. où je suis avec le ministre pas à pas, toutes les communications qu'il met en place pour protéger sa population. Alors d'abord, moi, je tire à mon chapeau au Maroc. Parce que 5 millions de masques fabriqués par jour de l'usine Moulay, j'ai oublié son nom, qui sort de Sa Majesté le Roi,
5 millions qui sont exportés, donc qui partent du pays pour l'Europe. 5 millions par jour, c'est une production que même la France, nous sommes en manque, nous, cruellement de masques. Tous les maires ont commandé. Ça, c'est une chose, je dis bravo, bravo. Encore une deuxième initiative qui touche encore le Maroc. J'ai vu des ministres rendre leurs indemnités pour soutenir et la solidarité. Bon, j'ai vu ça dans les Pas réseaux. trop, c'est pas Ah oui. trop bien. Et J'ai vu. l'autre point fort, maintenant il y a des jeunes créateurs qui commencent à créer des appareils de respiration. Oui, c'est pas un, c'est pas deux, je crois plus de cinq que j'ai vu leurs vidéos et ça marchait, des prototypes qui sont plus petits. Il y en a même qui ont créé des passages pour la désinfection, ce qui réchauffe le cœur. Et on revient à vous. Quel est votre message pour toute l'humanité de solidarité, pour tout le monde? Moi, je dis qu'il faut saisir cette chance, parce que c'est une chance, ce confinement. Parce que si on ne change pas notre façon de réfléchir, alors, vous m'auriez dit, il y a un mois, on va bloquer la production mondiale. Personne l'aurait cru, et pourtant, on l'a fait. Il faut aussi donner plus d'humanisme à son prochain, comme on dit. On voit bien que rester tout seul chez soi, ça peut rendre fou quelqu'un. Donc, mon message, c'est vraiment un message de soutien, un message d'humanisme, un message de solidarité, qu'il faut que la Terre, elle est ronde, c'est fait pour circuler. Si elle était carrée, chacun y reste dans son coin. Mais elle est ronde, c'est pour qu'on se mélange, qu'on se parle, voilà. Bien entendu, moi, mon message, c'est qu'on arrête l'égoïsme, on arrête l'individualisme, on ouvre les portes, on ouvre qu'on n'ait pas peur de tendre la main, parce que c'est ce qui reste en fait après, c'est ce qui Oui, reste en réalité. la solidarité, c'est, je le dis toujours, c'est le discours de l'instant, ce qu'il est, c'est le futur. La Après, il faut. solidarité, pensez toujours à l'autre, c'est le futur. Et oui. Il y a des inégalités, moi je le vois même dans notre pays, hein, au Maroc, c'est soit tu es très pauvre, soit tu es très riche, hein, mais le milieu c'est compliqué des fois, il faut reconnaître. Oui, Le c'est. problème, on a un en France, on est protégé par un système de distribution, la CPAM, la CAF, tout ça, ce sont des systèmes, on récupère sur les gens qui travaillent et puis on redistribue pour les personnes âgées, la retraite, les pensions. Donc c'est un système qui existe depuis après la Deuxième Guerre mondiale, hein, qu'il n'a pas inventé. C'est l'époque des communistes. Mais les inégales. Moi, je ne bénéficie de rien de tout cela. Je Ouais, touche non, rien, après. mais Ah j'ai non, mais besoin de après, rien. après ça dépend des statuts. Mais les Oui. inégalités, elles creusent de plus en plus, pas à cause du capitalisme, comme certains le disent, mais parce que le pouvoir, il est mal utilisé. Moi, je dis que le pouvoir, c'est bien. Mais il faut savoir l'utiliser. Si on l'utilise mal, eh ben ça peut faire des dégâts. Je pense très sincèrement, par exemple, je parlais en tout début de ce confinement et je le dis, il y avait deux questions que je me suis posées. Soit je me positionne, la première question c'était, est-ce que je fais partie du problème et je l'alimente? C'est-à-dire le Covid, où est-ce qu'il vient, le virus, et moi, d'où ça vient, pourquoi, et je vais chercher à comprendre et je perds mon temps. Ou alors j'utilise ce temps et comment l'utiliser, c'est-à-dire est-ce que je fais partie du problème et je solutionne et je fais de mon mieux. Et moi, j'ai fait partie de plutôt le deuxième cas. Parce que j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas pour les chaînes marocaines. Mais moi, je suis outrée dans les chaînes françaises, et je le dis, tu prends une télévision bien connue, où on donne la parole à des gens qui n'ont jamais fait même pas une année de médecine. Et ils te donnent ton avis ils donnent leur avis au monde entier sur le coronavirus. Ça n'a pas de sens.
Personnellement, voilà, on cherche à savoir d'où ça vient, qui l'a donné, qui l'a. Il y a un problème d'ego, qui va inventer le meilleur des vaccins, etc. Ça, C'est des c'est pas. lobbies, tout ça, des lobbies Ça, qui rentrent à c'est. l'enjeu de la médiatisation. Ben, c'est surtout que, est-ce que nous, moi personnellement, j'ai choisi d'être dans les solutions. Je peux pas. J'ai fait une thèse, moi, dans ma vie, c'est la thèse du tuberculose, à la fin de mon cycle, premier cycle. Et je l'ai très bien réussi, d'ailleurs, je me rappelle. C'est aussi une maladie des poumons, comme le coronavirus, le bacille de corps, hein, qui prend sur les poumons et qui vous crachez du sang après. J'ai fait une année vraiment poussée dans la première année de médecine, c'était obligatoire, puisque j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale. Et je me rappelle très bien, c'était une chose formidable quand vous êtes dans la biologie. Donc, celui qui parle aujourd'hui et qui connaît la biologie, eh bien, laissez-le s'exprimer, mais alors avec des vrais éléments. Pas l'autre, il dit ça et l'autre, il. Le journaliste, même le journaliste le plus de rien du tout, il donne son avis sur une chose qui est très grave. Donc, il faut à qui, il faut, c'est comme le pouvoir. La parole, c'est pareil. À qui on la donne? Pour pouvoir parler c'est intéressant de pouvoir en parler du coronavirus. Mais aujourd'hui, il y a une terreur qui se pose carrément. Il y a des gens qui ont peur. Là, le 11 mai, ils ont dit La qu'ils vont ouvrir phobie les écoles. Il y a une exagère. phobie. Est-ce qu'on a besoin? Moi, je me dis, là, par contre, le Maroc, je ne sais pas ce que ça donne. Mais en France, attention, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment se posent des questions. Voilà, après, on fait confiance à notre gouvernement en espérant qu'il aura les meilleures solutions, les plus adaptées. Et qu'au niveau de la santé, cette crise, en tous les cas, c'est clair, elle aura des conséquences familiale, peut-être sociale, c'est sûr, Bien sûr. économique. Et donc, moi, le conseil que je peux donner et que je me le donne à moi-même, c'est notre maîtrise à notre maîtrise à passer au-dessus de ce confinement. Oui, bien sûr. Et comment l'utiliser pour nous et pour l'avenir. En tous les cas, moi, j'ai commencé à fabriquer rien qu'avec une machine à coudre. Oui, super. Voilà, Lorsqu'on est mon. ambitieux, on va toujours à l'avant avec une certitude et avec une grande confiance en soi. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Sinon, notre chaîne donne pour toujours pour démocratiser l'interview. Elle donne à notre invité. S'il a des questions à poser pour la chaîne, on est prêt pour répondre et merci. D'accord, merci Abdelali. Oui, si vous avez une question à poser, la chaîne. Et quel est votre projet de l'avenir Eh au ben, domaine, soit. Au domaine de vos activités qui sont grandes, plusieurs. là j'écris un deuxième livre. Mon premier livre, il est là. J'ai écrit un livre, le Harcèlement. premier harcèlement, liberté, égalité, fraternité, parce que ces trois mots, il a été harcelé tous les sens. Je Et connaissais deuxième. pas que vous étiez écrivaine aussi. Oui. Oui, super. Donc c'est un livre que j'ai écrit en 2018-2019. Il y a un second livre je croise les doigts pour la rentrée, l'automne. Donc je vous donne le titre. Donc il y a harcèlement et le deuxième s'appelle Résilience. Voilà. Résilience et harcèlement. Mes chers qui nous suivent, voilà une écrivaine qui se dévoile devant nous. Et comment il a créé l'écriture? Le monde d'écriture pour vous, comment il est? Le monde, c'est-à-dire sur les écrits qu'on voit aujourd'hui? Non, pour le vôtre, votre univers de création en écriture. Ah, moi, c'est des témoignages, parce que pour moi, le témoignage, moi, par exemple, ça, c'est un témoignage très long. Le Oui. deuxième, c'est un témoignage, mais aussi ce que je vois à travers la société.
et ce que les autres me renvoient aussi. Donc, c'est des constats aussi. Le témoignage, pour moi, c'est important, c'est mieux qu'une thérapie. Parce qu'on a un témoin de ce qu'il voit et de ce qu'il a subi. Parce que c'est tiré d'une histoire vraie, ça, quand même. J'en parle, de cette histoire, elle est dedans. Et le deuxième, c'est comment se relever après un harcèlement. Résilience du. D'ailleurs, il a un petit titre en bas, Du chaos naissent les étoiles. Cette capacité à prendre du recul, le lâcher prise aussi, c'est important. Et puis, garder confiance. Garder confiance pour la suite. Parce qu'après un harcèlement, c'est pas facile. Alors moi, pour ma part, c'était plutôt quelque chose qui tournait autour du travail. C'était autour du travail. Et puis après, voilà, je vous laisse lire toutes les nouvelles aventures, hein, parce que ce sont des aventures, hein, quelque Oui, part. Non. à Mais qui se explorer, suivent. bien sûr. Et puis, il y a aussi mon point de vue sur l'immigration en France et notamment sur le combat des femmes et la cohésion sociale, d'où je me suis inspirée aujourd'hui. Et que, bon, c'est sûr que une bibliographie, c'est toujours quelque chose d'intéressant, ça prend plus de temps. Et j'espère que Casablanca ou même des villes du Maroc m'inviteront pour pouvoir. J'avais déjà eu quelques contacts Il y pour a des pouvoir. salons du livre à Pour pouvoir. Casablanca chaque année. Le salon Ah du ben. livre, oui. Ah Vous ben, pouvez. faudra. C'est avis à tout le monde. Hein, si vous êtes intéressé, ben, je peux venir. Exposer et dédicacer mon livre, je prendrai quelques livres avec moi, j'en ai quelques-uns. Et puis pareil pour mon masque, je cherche des partenaires économiques Oui, pour développer une chaîne de production bailleur au de Maroc. son, on peut Voilà. dire, des bailleurs de Voilà. son. Ouais. Ah, Voilà. Je vous super. remercie en tout cas. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, on passe une vidéo. Vous avez choisi de passer l'interview que vous avez passée avec la radio et que vous m'avez envoyé en vidéo. Merci beaucoup pour une chose. Si on vous demande de noter la chaîne pour ces émissions, médiocre, bonne, mauvaise, qu'est-ce que vous Non, dites? bonne, bonne. Merci pour ce témoignage. C'est une médaille pour cette chaîne qui est autodidacte et qui a une expérience pilote dans le monde. Et je le dis avec honneur. Donc, je vais passer votre vidéo. Merci beaucoup, Ilan. Alors, il y a une téléspectatrice qui a lancé une très belle idée. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé, fabriquer des masques spéciaux pour les sourds et malentendants. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, Ilem va nous l'expliquer. Bonjour, Ilem, merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Marseille, je crois, hein? Non, bonjour, je vous appelle de Montpellier. Ah, de Montpellier, pardonnez-moi, j'étais du mauvais côté. De D'accord, Montpellier. pas très loin. Ilem, racontez-nous, c'est quoi la problématique des masques qui existent pour les sourds et malentendants? Ben, il faudrait permettre aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir lire les lèvres, puisque eux, ils utilisent la lecture labiale. Eh oui, parce que quand ils se retrouvent dans les magasins, s'ils ont l'habitude de s'exprimer et de comprendre ce que disent les autres par la lecture des lèvres, sur les lèvres, évidemment, c'est impossible. Tout à fait, et notamment que la lecture labiale, elle consiste à identifier par l'observation des mouvements de la bouche d'une personne le son qu'elle prononce. Et voilà, donc ça c'était la première, on va dire, observation. Et du coup, Étant moi-même. vous avez créé des masques avec une sorte de petite fenêtre, c'est ça? Oui, alors un petit film plastique qui va se positionner juste au niveau des lèvres Ouais. et qui est cousu avec le tissu et qui va permettre non seulement de protéger, mais c'est un masque à la fin qui devrait permettre de protéger et de prévenir des risques de contamination de son entourage et de son environnement. Et du coup, j'imagine que vous en avez parlé avec un certain nombre d'associations. Vous vous rendez compte que ça a une vraie utilité au quotidien. On n'avait pas pensé effectivement à ce côté très pratique, mais qui est très handicapant. Alors effectivement, j'ai répertorié en fait. Alors d'abord, pourquoi le contexte? Parce qu'il y a un contexte. D'abord, j'ai répondu à l'appel du préfet de l'Hérault ici
pour le bénévolat. Oui. Ensuite, moi-même, ayant eu dans un passé des complications au niveau ORL et notamment au niveau phonique. Et enfin, l'association socioculturelle bilingue sourd-malentendant de Frédéric Pesson, ici à Montpellier, donne des cours de communication en langue des signes française. Et ça m'a toujours interpellée. Et là, j'ai effectivement... Alors, il y a ça. Et puis, surtout, j'aime donner quand même honneur à la personne qui l'a quand même mis en place. C'est au fin fond du Texas. C'est une jeune américaine qui avait commencé à faire ce genre de prototype, mais avec une espèce de tissu éponge. Ce qui est, voilà, ce qui n'est pas tout à fait... on va dire, pour à ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée était déjà pré-lancée. Moi, de mon côté, je l'ai juste... Vous l'avez adapté, en fait, vous l'avez adapté de façon professionnelle, et puis même, j'ai déposé un dépôt directement à l'INPI. Ah oui, d'accord, donc vous êtes organisé. Ah ouais, il a été accepté avec les normes, et notamment le tissu qui va permettre... aussi de... Alors, il va se coudre avec le film plastique, mais il ne faut pas non plus le coudre de façon à ce que ça devienne une asphyxie pour la personne. Oui, bien sûr. Il y a une prise d'air, et puis il s'adapte également avec deux petites plaques en alu que vous pourrez, qui, enfin comme dans les masques traditionnels. Oui, comme dans les masques traditionnels. Voilà, il sera adapté avec un masque FFP2 et puis mieux encore, il peut même être utilisé par vous et moi, puisque voilà, c'est pas forcément que ces gens-là, puisque il est, il oui, s'adapte pour, en fait, pour à tout le monde puisse se faire comprendre. Il faudrait tous qu'on ait des masques comme ça pour pouvoir permettre aux sourds et malentendants de comprendre tout ce que tout le monde dit dans la rue. Merci beaucoup, Ilem Gouli, d'avoir été avec nous pour nous présenter cette initiative. Alors, il y a une téléspectatrice qui a lancé une très belle idée. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé, fabriquer des masques spéciaux. Merci à Ilham Gouli Farid. C'est une ME. Et merci.